Salut à tous, c'est FabKick. Donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le vendredi 28 mai. Donc les gars, comme vous avez pu le constater depuis hier, nous avons eu de belles petites promotions pour celui qui aime bien jouer les gîtes. Donc les gars, vous avez l'émission créée par Rockstar, qu'il y en a pas mal qui sont doublés et que moi je vous conseille, puisque je vais vous en présenter une. Et ensuite, il y a pas mal de véhicules en promotion chez Warstock, genre le Tank TM02. Par exemple, donc les gars, en fait, la mission que je vais effectuer, c'est pour se taper des RP en illimité et de l'argent en illimité. Puisque une fois que tu auras terminé la mission, bah directement, tu peux la relancer. Donc les gars, moi, je prends le Tank TM02, mais tu peux prendre genre l'Akula, tu peux prendre le Buzzard d'attaque. En fait, faut prendre un véhicule qui lance des missiles en illimité. Puisqu'en fait, les véhicules, ils vont arriver en illimité. Donc les gars, je sais que vous connaissez cette mission, je sais que je la poste à chaque fois que c'est doublé. Mais les gars, faut penser un peu à tout le monde. Voilà, c'est juste ça. Et pour comme ça, je vais monter un tout petit peu mon niveau. Donc les gars, regardez, 364 et une barre et demie. On est d'accord, hein. Donc les gars, c'est parti, hein. Start en ligne. Activité, joue activité, créé par Robert. On va aller dans les missions. Et là, tu fais flèche du haut, t'arrives en bas et tu remontes jusqu'à temps que t'arrives dans les saisies. Et c'est l'émission là que moi je vous conseille, tu vois quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire les autres, hein, évidemment. Mais si tu veux te faire de la thune, tu fais celle-ci, tu fais celle-là, tu fais celle-ci, tu fais celle-là. Et c'est celle que je vais te présenter. Elle est disponible à partir du rang 1. Et c'est logique, à partir du rang 1, t'as pas le Tank TM02. Donc bah tu le fais à ta façon, voilà. Et c'est pour ça que moi je vais recommencer GTA à partir du niveau 1. Et on verra comment moi je vais me débrouiller pour monter dans mes levels et dans mes thunes sans tricher. Donc les gars, c'est parti. Donc les gars, logique, on va la mettre en facile. Non, je déconne, hein, faut la mettre en difficile. Et à partir de là, bah tu la lances. Donc les gars, c'est pas un glitch, tu vois quoi. Mais dis-toi que tu vas te faire 50 000 $ à chaque fois. Et presque 10 000 RP à chaque fois. Bon, tu la lances 3 fois, ça te fait 30 000 RP et 150 000 $. Tu vois quoi. Bah pourquoi pas. Donc... Allez, c'est parti. Donc les gars, si vous arrivez avec votre véhicule armé, n'arrivez pas devant, tirez pas direct. Les gars, ils vont être alertés, tu vois quoi. Donc tu passes derrière et tu te mets juste derrière. Donc le tank ou la coulotte, tu le mets ici, tu vois quoi. Et le but, c'est de bouger le brigade, parce que le truc, c'est de ramener le brigade sans trop de dégâts, entre guillemets, tu vois quoi. Regarde, je vais tirer au silencieux, hein. Bien chier. Ouais, là là-bas il m'avait vu de toute façon. Donc là on entend, là tu commences doucement, tu vois quoi. Là tu te fais des RP, tu t'amuses à re. Ah, comme moi, regarde, je m'amuse, hein. Genre je sais pas, moi, comme ça. Le but, c'est que le brigade ne s'en prenne pas plein la figure, tu vois quoi. Et après, moi j'ai capté un délire, les gars. Regardez, on n'a qu'une vie, vous êtes d'accord. Là le but, c'est de bouger le brigade. Bon, là ce qu'on va faire, c'est ça. Comme ça, quand je vais revenir, il n'y aura plus de véhicules sur le parking. Et j'aurai plus qu'à bouger le brigade. Et à partir de là, j'aurai plus qu'à monter dans le Tank TM02. Regarde. Et les véhicules vont arriver. Et je pourrai les dégommer un par un. Donc là, je vais mettre le brigade en face. Regarde. Donc tu le mets prêt à te barrer. Hein. Et là, direct, tu vas chercher ton petit véhicule armé. Et regarde, il y a la varicelle qui va arriver. Donc les gars, moi, ouais, personnellement, je vous conseille de vous suicider, tu vois. Comme ça, regarde, tous les véhicules, ils despawnent. Et ensuite, t'as plus qu'à bouger le brigade dans le normal. Et ensuite, t'attends que... Bah, les vlogs, hein, regarde. Et à partir de là, bah, tu t'amuses, tu te fais des RP en illimité. Donc hier, à 3, on se faisait 63 RP par véhicule. Tandis que là, 50 RP, t'as vu. Hier on était à 3, on faisait 63 RP. C'est chelou quand même. Et regarde ma barre de niveau en haut, bah elle fait que monter en fait. Hein. Même si c'est pas des masses, mais elle monte.
Ah, je sais qu'au fond de vous, vous kiffez. Bah ouais, tout le monde kiffe la guerre, c'est obligé. Donc c'est pour ça qu'il faut un véhicule qui tire des missiles en illimité. Puisque, imagine, je prends la MK2 par exemple, là, même si on peut pas. Bah, y a un moment donné, j'aurai plus de missiles. Donc je serai obligé de tirer avec mon RPG, mais on va débourser beaucoup de munitions. Tandis que là, on débourse rien du tout. Hein. Donc j'avais un trait et un trait et demi, on avait dit, à mon niveau. Bon, je suis au niveau 364 quand même. Mais regarde, je serai au level 15 ou au level 20. Bah, je prendrai quelques niveaux déjà si je lancerai la mission plusieurs fois. Le Rockstar, il nous faut un cadeau. Hein. Ah ouais. Donc là, comme on peut le constater, ça donne plus de RP. Hein. Tu vois, regarde, je tire sur les véhicules et là, il n'y a plus de RP. Donc à partir de là, bah, il suffit de prendre le brigade et partir. Allez, c'est parti. Donc les gars, on se retrouve chez Simeone. Hein. Regarde le trait en bas à droite, il est blanc et on verra à la fin. Il est en train de me déphaser. Voilà, on a réussi. Donc les gars, tu vois, il suffit que tu as un véhicule qui tire des missiles en illimité et à partir de là, tu fais cette mission. Si tu kiffes, tout péter, pourquoi pas. Moi, j'adore ça. Et ensuite, bah, tu la relances si tu souhaites te faire de la thune et monter dans ton level. Pourquoi pas. Moi je dis que ça se prend, voilà, et une fois que tu l'as fini, bah tu la relances. Donc comme je disais, regardez avec les poteaux, on était à 3, on s'est fait 56 000 $ et 14 000 RP. Donc tu vois, si vous avez des amis, bah faites-les avec vos amis, sinon bah relancez-la en solo, en tout cas elle vaut le coup, voilà. Donc voilà les gars, bah sur ce, bah c'était FabKick sur GTA 5 Online. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Regardez, on s'est fait 46 227 $ plus. Franchement, regardez mon level par rapport au début. Bah là, je le refais une fois, je prends un niveau. Donc moi, je dis, ça vaut le coup. Donc les gars, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien puisque bientôt le DLC va arriver. Donc tout l'argent est bon à prendre. Voilà. Donc les gars, sur ce, bah c'était FabKick. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao les gars. Ciao.